haïtien, y'a pas de renégat. Ça bombarde dans le renégat. Descends de, j'pars sa boulette tombée. Fais-moi la passe, la selle elle est bonne. En deux temps, j'découle la bonbonne. Et si je l'aime bien sûr, il se la donne. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. C'est parti pour une petite vidéo du mardi. Pas d'équipe, comme d'hab dans cette vidéo, je trouve que c'est pas centré hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, il y a Kobalade qui a mis un message sur Twitter qui annonce l'arrivée de son prochain album. Il a dit, je vais vous apprendre la musique, attendez juste un peu, avec des smileys morts de rire. Et il a mis hashtag cartel volume 2. Donc voilà, je crois que c'est son album ou sa mixtape, dites-moi dans les commentaires l'équipe. Cette équipe, en parlant d'arrivée d'album, on a Plateau Plomo, le label de Lacrim, qui a confirmé l'arrivée imminente du prochain album de Lacrim. Comme tu peux le voir, ils ont repartagé un tweet de Oumar Dino qui dit, nouvel album de Lacrim, bientôt, très bientôt même, avec trois petits points et un emoji, c'est un sablier. Donc à mon avis, l'album, il devrait arriver d'ici peu. Ensuite, l'équipe, on a Sadek qui a laissé un message à Booba en publiant une vidéo de la femme de Booba. Et il a écrit, va t'occuper de l'anniversaire de ta femme au lieu de regarder mes stories, avec des smileys et avec des petits cœurs, t'as capté. Et comme tu peux le voir, c'est bien la femme de Booba, Patricia. Ensuite, l'équipe, en parlant de Sadek, Sadek il a publié une vidéo sur Snapchat en expliquant qu'en quelques jours il allait changer complètement de physique, je crois. Regardez. Oulala, Jojo. Hein, Jojo le sportif. Paf. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Une nouvelle qui méritait 60 jours de préparation. Comprendra qui pourra. 60 jours de préparation. Vous inquiétez pas, je reviens bientôt sur la capitale. Soyez prêts, les amis. Et pourquoi j'ai décidé de vous le montrer? Avec deux choix, j'aurais pu le faire en privé et arriver spectaculaire. Rien à foutre. Je vais vous montrer que si un gros porc comme moi il peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est rien. C'est facile. Alors hésite-toi avec moi. Toi aussi, ma petite gueule, tu peux le faire. Arrête de déprimer à bouffer de la glace Belligérisse dans le noir. Viens avec moi. Mangeons des carottes. Mangeons du céleri. Et faisons du sport. On va leur montrer. Allez, l'ossa. Et je te lâche pas, tu ne lâches pas. Ok? Jusqu'à la ligne d'arrivée. Je te lâche pas. Et tu me lâches pas. Regarde dans les yeux quand je te parle, suis mon doigt. Regarde, suis-le. C'est pas le doigt qu'il faut suivre. Parce qu'en regardant mon doigt, on oublie de base. Ce que je te montre, c'est pas le doigt, c'est la lune. On se voit là-haut. Comme la fusée. Et celle-là, elle est vraiment gagnante. Cette équipe, on a Booba qui a donné une interview à Combini. Et il a donné son avis sur Caris, Damso et SCH. Regardez. Vous m'éclatez les deux, je peux pas. C'est trop dur comme question. Julius 2, j'ai entendu quelques morceaux, ah, je préfère Julius 2. Calf Infinity, c'est vraiment de la grosse de merde. Non, mais en toute objectivité, bah c'est beaucoup mieux en termes de rap d'instru déjà. Mais Calf machin, ah, ça va. Il communique pas, il s'est pris pour pas de clip, pas de... Je veux dire, si t'es fan de lui, t'as rien à manger. Puis ensuite, Booba, il a dit qu'il préférait La Fune par rapport à Rof. Et il a aussi dit qu'il préférait Benache par rapport à Kalash 972. Enfin bref, regardez. La Fune. Non, allez, Benache, ça reste 92. Pas le temps pour les regrets, mais mon grand regret, Togon, ça aurait été incroyable. Deux entraînements par jour, des siestes pour que le mec il annule à la dernière minute. Enfin, deux fois. À moins qu'il signe un contrat, ce soit certifié, tu vois. Mais sinon, non. Ensuite, l'équipe, on a Jul qui a dévoilé la liste des 150 rappeurs qui seront présents sur le Classico organisé. Et du côté marseillais, on aura Jul, YL, DH, RR, KLS, Nick, GER, SCH, Kid, MOH, Saf, Redka, Kof, Taz, Naps, Sissa, Zbig, Jika, Elams, Toninho, Troisième Oeil, Sozer, Esteban, Soprano, Kamikaze, Bengiz, Dadinho, Debeng, Mazen. Et ensuite à côté c'est écrit Graya, Kilam, Dream, Cher, Adeal, Alonso, Derkacez, Libey, Tabichi, Machiavel, Vincenzo, Mubarak, L'Algerino, Jeune Rex, Samblaz, Les Frères J, Zach et Diego, Carré Rouge, Usagaza, Giri Mafia, Kenny Arcana, Sosomanes, AM Nascampia, Kalash Lafro, Tony La Famille, Olis La Femme, Funky Family, Puissance Nord et Ghetto Phénomène. Ça c'est du côté marseillais. Et ensuite du côté parisien on a HP, Arsenic, Al Capote, Boleman, Sneezy, Bim Bim, Alrima, Mokobé, Lacrim, Caris, Black M, Joker, Lesram, Rinkus, Tunisiano, M.O. Bourbier, McGregor, Youssoufa, Oxmo Puccino, Lina Malem, Limon Haze, Fraîche Ladouille, Ornette La Frappe, Os Copperfield, Dr. Yellow et La Folie, Souffrance L'Usine, Gambino La MG. Et puis ensuite on a aussi IK, RK, Uzi, ALP, ISK, MIG, Dry, GLK, PLK, Gina, Taïsi, Dax, NASA, Bosch, Rémi, Niro, Gazo, Gims, Rimka, Demon One, Mister You, Ice MC, Kobalade et AP du 113. Et au-dessus, il y a aussi Dabs, Doria, Zixo, Rof, Sadek, Nyax,
Ivory, Oscar, Linda, Dayuzi, Chimal, Hachik, Denzo, Kanoé, Jarod, Nahir, Aketo, Jinor et Bejik. Donc voilà, c'est tous les rappeurs qui seront présents dans le projet Classico organisé de Jul, qui sortira le 29 octobre. Ensuite l'équipe, on va reparler de Booba, puisqu'en fait Booba il vient de clasher justement Classico organisé que Jul il est en train d'organiser. Et il a mis justement tous les rappeurs qui seront présents dans ce Classico organisé que je viens de vous citer, et il a écrit « Hey, by the way, un Classico sans CR7, ce ne sera jamais un Classico, mais un Clashico, tout simplement. » Et c'est ce qu'il vient mettre il y a 26 minutes en story. Ensuite l'équipe, en parlant de Booba il va sortir un son qui s'appelle TN, qui sera disponible uniquement en NFT. Et j'ai voulu me renseigner pour savoir c'était quoi le NFT, et je suis tombé sur un article de Rap de France qui explique justement c'est quoi. Et écoutez bien parce que c'est un petit peu compliqué, écoutez. En gros ça dit, ce nouveau format NFT est concrètement un moyen d'acheter une œuvre numérique et en devenir l'unique propriétaire avec un certificat d'authenticité qui prouve que tu es le seul à la posséder et te donne en tant qu'acheteur tous les droits d'exploitation possibles. La transaction se fait grâce à la crypto-monnaie et donc pour pouvoir écouter le nouveau morceau de Booba, il faudra investir dans celle-ci pour acquérir une partie du titre en NFT. Et tu vois, après l'acquisition du morceau en NFT, le nouveau propriétaire ne pourra ni échanger ni faire une copie du NFT, mais seulement le céder à un autre propriétaire en échange de crypto-monnaie. En gros, tu le revends quoi. Ce qui ouvre un nouveau business devant la communauté du rap français qui pourra revendre leur NFT. En attendant plus d'informations de la part de Booba, il faut rappeler que Tony Lanez a déjà vendu cette année 1 million d'albums disponibles exclusivement en NFT en seulement 57 secondes. C'est un truc de ouf, il a vendu 1 million d'albums en 57 secondes. Et tu vois, pour clôturer leur article qu'ils ont écrit, cette nouvelle méthode de partager sa musique succédera certainement au streaming vu qu'elle est de plus en plus utilisée. Donc en gros, à mon avis, le délire du NFT va prendre le dessus sur le streaming, t'as capté, dans les années à venir. Ça va avec ? Mon prochain son, il sort en NFT. C'est l'exclusivité ! Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. L'OPJ sur ton, n'oublie pas la balistique. J'ai des tonnes, on nique ta mère, on te laisse par terre. Mais ça pue gravement la peste, je vais tout graisser, t'es ma bon appétit. Ton numéro 10, ton numéro 7, mon équipe les a botés dans ton oesophage. Y'a beaucoup trop de buteuse, Skoda me noter. Je me suis fait péter, mais ta peau, toi t'es complètement pété. Azelé sur la Asie, c'est moi le numéro 9, c'est moi le buteur. Du truc. Donc voilà l'équipe, c'est pas sans trier sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop longtemps, n'est-ce pas? Et t'as un petit peu parce que t'as les références, dis ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un 2-3 puis là, c'est juste pour référencement. Ouais, je te mens pas, j'ai bugué, ouais, c'est un truc de ouf. Bon, vas-y, tu sais quoi, encore une fois, on va le laisser au naturel, je pourrais très bien le refaire, mais vas-y, on va le laisser comme c'est. Enfin bref, je te dis à sort pour une belle micro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Là, c'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. D'habitude, je le fais tout bien. C'est, il y a plus de 900 vidéos, mais 900 vidéos, tout s'est bien passé. Eh, vas-y. Bref, peace les gars. Chargeur, tempête, T-Max, j'ai fait assaut, Merco, chante chez toi, je refais. Toujours nier les faits, y'a chez nous toujours au fait. Putain de béton, ça paye pas, peut-être qu'un jour on va briller.